Donc là, ça fait pas mal de temps que je fais des vidéos. J'ai pas encore la machine. Je ne peux pas être égale aux autres scrapbookeuses ou scrapbookeurs. Sous curatelle, ça me coûte de l'argent. Franchement, j'essaye de faire avec de la récup, mais c'est pas évident. Là, par exemple, je n'ai pas de carton. J'ai fait de la récup avec un rouleau de sopalin. Ça va me servir de base. C'est un tuto que je ferai demain, demain après-midi, parce que demain matin je suis occupée. Je continue à tenter mon papier. Là je suis sur papier jaune que je teinte en rose violacé. C'est le maximum que je puisse faire. Ça commence à faire un sacré paquet, hein, ça. Voilà. Alors, il y a deux couleurs. Une foncée, c'est le rose de base. Le clair, c'est le jaune de base. Et donc, ça me fait un paquet. Repasser et tout hein. Dans les règles de l'art, j'ai pas encore fini le beau classeur. Il me reste 6 feuilles à faire, mais là franchement je fais une pause parce que je fais autre chose. Il est là. Mais je vais faire des embellissements parce que bah, je suis en manque d'embellissement. Je vais refaire un cœur avec vous. Je vais ranger ce que je vais avoir besoin pour demain. Donc ça, vous m'excuserez, mais j'ai besoin de vapoter. Je suis très très fatiguée. Ça c'est mon cœur comment dire, c'est ma base. Donc je vais vous basculer un peu. Voilà. Je fais le contour. Alors j'ai placé mon cœur de façon à ne pas tomber sur une bordure du carton. Vous voyez, par exemple, là on a la bordure, là on a la bordure. Donc il est au milieu. Ça c'est. Je vais prendre mon ciseau fétiche. Comme ça m'en fera deux. Pas épais comme carton, mais bon, au moins c'est du carton.
comme je vous disais, je suis mais alors une fatigue. Je me demande même si je dois continuer à faire des vidéos parce que ça prend du temps à faire, du temps à etc. quoi. Là je vais le remettre droit puisque comme vous voyez il est gondolier. Ouais, ça va. Ça va, ça va. Recyclage. Il y a que là, ça me... Ouais, c'est mieux. Un cœur tout neuf. Et pourtant, regardez le côté, il y a une bordure. Donc, ce que je vais faire demain, c'est une reproduction d'une youtubeuse qui a fait un embellissement avec un tissu de satin. Alors, j'ai pas de tissu de satin. J'ai un tissu, vous allez voir, j'ai un tissu imperméable, donc il y a un côté qui brille, comme vous pouvez le voir là, et un côté tissu. Donc, je vais me servir du côté brillant, voilà, hop là, je vais tomber le cœur. Prendre le plus beau, hein, je prendrai celui-là demain. Et mieux fait. Donc je me demande si ça vaut la peine de continuer bah, de toute façon c'est en période de confinement c'est très dur. C'est vraiment on n'a pas de matériel, on n'a rien quoi, à part la laine, le fil à broder, la colle, non, pas grand chose quoi. Donc j'ai essayé de trouver des solutions. Ah tiens, bah on va faire le tour. Il commence à être plein le classeur. Le tour de ce que j'aime et de ce que je n'aime pas. Au niveau des conceptions des pochettes plastiques. Alors, pochette plastique avec pochette plastifieuse avec pochette plastifieuse, j'aime. Ça, y a pas, j'en ai fait des tonnes.
On peut en faire différentes façons. On peut faire des shakers. L'idée des pochettes avec... mince, ça y est, j'ai perdu le mot. Ah, c'est moi qui l'ai créé en plus. Oh, du plastique transparent. Oui, bon bah bref, vous avez compris. J'aime, mais bon, ça gondole et mon classeur il se ferme pas comme il faut, ça gondole un peu, mais les pochettes avec pochettes plastiques. Le problème, il est là, c'est que ça se défait, vous voyez, ça se défait, et quand on a des gros trucs à mettre dedans, bah c'est pas le top. C'est fait vraiment pour les petits trucs à ranger. Pour lesquels on n'a pas besoin de faire attention. Donc, cherche le mot. Je ne trouverai pas. Quand je cherche, je ne trouve pas. J'en ai fait deux en pochette plastique, donc les pochettes plastiques pochette à documents, ça c'est des pochettes plastiques avec mince. Dites-moi le mot en commentaire parce que là je ne trouve plus. Je suis tellement fatiguée que bon, il va me falloir un deuxième classeur. Alors je vais chercher un deuxième classeur tout à l'heure. Parce que là, il fatigue. Je me suis mis une rallonge électrique à côté. Ça là. Du. Oh. Oh non, ça vient pas. Enfin bon, voilà. Alors, est-ce que je continue à faire des vidéos? Est-ce que je continue à faire du scrapbooking? Quand j'aurai la machine, j'égalerai les autres scrapbookeuses, les scrapbookers. Parce que là, je m'échine à faire le maximum de ce que je peux faire. Chercher des idées, je commence seulement et je commence à me demander si je continue. Donc dites-moi en commentaire les 4 abonnés là, parce qu'il y en avait 5 et il y en a un qui s'est retiré.
petit besoin de savoir, quoi. Parce que, bon, c'est bien pour moi, mais j'ai pas envie d'utiliser autant d'argent pour rien, quoi. C'est devenu... Je me creuse la tête. J'essaie de trouver des solutions. C'est pas les mêmes cœurs, c'est pas les mêmes outils. Ma ouate, c'est de la ouate que j'ai récupérée d'un oreiller qui est déchiré. Donc, bon, ça va, c'est gratuit. Donc, je m'amuse à le déchirer pour qu'il y ait moins de. Enfin, plus de volume. Voilà. J'ai des grosses traces. J'ai de la dentelle que je vais mettre. €4,50 le mètre. Je sais pas si vous imaginez. Ça se voit pas que je suis fatiguée. Non, peine. J'ai pas la niaque, quoi. J'ai pas la niaque et j'ai pas de soutien. Donc, j'ai eu de l'argent parce que la comptabilité s'est plantée. Donc je sais pas combien je vais avoir vendredi. Et j'espère que je vais avoir des sous parce que j'ai pas acheté ni de tabac ni de vapotage. Donc si je sais pas au moins 50 €, bah je suis dans le caca. Parce que je me suis débrouillée, ça fait 2 jours que je me débrouille toute seule à marcher, faire d'un point à l'extérieur de la ville jusqu'à l'autre côté de la ville pour aller chercher de la dentelle. Donc, il n'y a que là qu'il y en a. Sinon, j'ai mes anciens vêtements trop petits avec de la dentelle, mais c'est du noir, donc je vais pas mettre du noir sur du blanc. Voilà. Après, il y a ma boîte, la chaise qui craque. Il y a la boîte à ruban. Je vais faire un petit ruban. Vous voyez, j'ai pas grand chose, hein. Chose du tout en blanc, j'ai que ça. Ça va faire un ruban. Alors, est-ce qu'il a un sens? Oui. Donc, je vais faire un ruban comme ça. Je vais faire le tour. Je fais devant vous, hein.
passe. Et je repasse dans le trou, s'il veut bien. Et après, on tire. Ça va faire un petit ruban. Le devant, il est là. On va le remettre comme il faut, celui-là. Parce qu'il faut tirer les deux en même temps. Il veut pas. Voilà. Un petit ruban comme ça. Maintenant, je vais venir... Voilà, ça fera un petit ruban. Voilà. Ça servira d'accroche. Une boucle. Et celui-là, bon ben on le remet dans la pochette. Peut-être que ça servira à quelque chose. Voilà. Donc ça c'est prêt pour demain, parce que demain matin j'ai la curatrice qui est... Il y a la chaise qui craque. La curatrice qui vient faire le point demain matin. Donc j'ai bien peur que ça s'arrête avant que ça ait commencé, quoi. Ouais, c'est celui-là le plus joli. Attendez, si je colle les deux ensemble, ça sera beaucoup plus rigide. Je vais faire ça. Allez. À la colle. Comme ça, pour demain, ça sera sec. C'est les mêmes. Bien appuyé partout. Oh, ça se décolle. C'était le bout de la
Ah, ça se colle aussi. Oui, c'est les jointures. Carton qui part en morceaux. Voilà. Bon, pour demain, ça sera costaud. Là, ça y est pas encore parce que c'est tout neuf la colle. C'est une solution système D. Système D. Je suis vraiment. Voilà, c'est. Me lever tôt parce que j'ai des fuites urinaires. Bon, je mange quand j'ai faim, donc il n'y a pas de souci au niveau alimentaire. Y a des soucis financiers, disons. Là, c'était je pouvais pas dire le contraire, j'avais droit à ça, c'est tout. On va faire le budget demain. Donc, j'ai pas encore fait toutes mes courses. J'ai acheté tout ce que je voulais et que ça va pas. Ça va pas parce que je veux pas copier. Je veux pas. Je veux faire ce que j'aime. J'ai besoin d'idées. Ça, c'est sûr. Je veux pas passer mon temps sur les réseaux sociaux non plus. Parce que je suis limitée. Donc. J'ai cherché des idées de book, mais c'est pas mon truc en fin de compte. Là, les albums photos, j'en ai ras la casquette. C'est devenu difficile. Je range, je remets le bazar. Il y en a de partout. Parce que j'ai pas la même configuration que dans le salon. Je suis sur une table plus petite, même si c'est une table là, de salle à manger. Je me débrouille, j'ai ressorti mes outils
Diamond painting pour mettre les strass sur le cœur. J'ai ramené de la laine par ici. Je fais de la récup. Ça, c'est pas la même couleur. Hein. Je vais le mettre là. Pour le reste. À voir si c'est la même couleur non plus. Donc je peux pas me servir de ça. Je suis en manque d'idées en fait. J'ai une prise qui est fichue. Et c'est pour ça que j'ai mis la prise là. Je l'ai branchée. Ben, c'est des prises à sécurité. Hein. Et une grosse fatigue. Ça, c'est pas droit. C'est un peu plus droit, mais... Bon... Ben voilà, quoi. Ma vie. Simplement, je fais avec ce que j'ai pas de papier, j'ai plus de papier. J'ai remboursé ma mère pour les courses alimentaires. Le reste qu'elle m'a payé, un coût de 40 de 70 euros, c'est pas dans mes moyens. Bon. Voilà quoi. Alors peut-être que je vais faire le. J'ai même pas la force de faire le tuto donc aujourd'hui. J'ai des choses qui sont prêtes. Il ne manque plus qu'à couper la dentelle. Et puis voilà quoi. Après je sais pas combien de longueur je vais utiliser. C'est comme ça donc après la longueur ça va faire ça quoi. Faire ça. Après ça va être sur le reste. Donc je sais pas.
J'attends que qu'Action réouvre les rayons de loisirs créatifs parce que j'ai rien, j'ai pratiquement rien. Je m'en fiche, mais si j'ai 100 euros, s'il faut 80 euros, ça y passera. J'en ai rien à faire. Même la moitié, 50 euros, c'est le plein, quoi. Bon, je voudrais que vous m'aidiez. Vous me disiez si je continue ou si j'arrête. Franchement, dites-moi. Parce que là, la tête que j'ai, c'est l'allergie, la fatigue. Je me décarcasse pour aller chercher de la dentelle. Franchement, l'aller-retour à pied, ça fait un bout. Heureusement que le déambulateur est solide. Parce que je m'accrochais. Hein. À la fin, je pouvais plus. Je me suis demandé si j'allais faire une pause ou pas. J'ai fait une pause en bas de l'immeuble avant de monter. Et heureusement que je suis partie après avoir donné à manger aux animaux et que j'ai pas ça à faire. Là, j'ai besoin de votre aide. Je continue ou je continue pas? Voilà la question aujourd'hui. Je vous laisse, je vous dis à bientôt, si j'attends demain maximum pour votre réponse, s'il vous plaît. Merci, bonne soirée.